Faire l'acquisition d'un chien, même si vous avez eu le coup de cœur pour une race, il faudra faire ça sans partir sur un coup de tête. La décision de prendre un chien aussi, elle va être fortement impactée par le fait que vous avez déjà eu un chien chez vous, donc vous êtes quand même rodé et vous avez déjà une certaine expérience. Si c'est un premier chien, il faut vraiment prendre conseil auprès de votre vétérinaire sur la race et sur tout l'engagement que vous allez avoir derrière. Il faudra vraiment anticiper tous les éléments qui vont vous permettre de choisir le moment où vous allez le prendre et la race de chien que vous allez prendre. Entre un chien que vous allez mettre dans un appartement et un chien que vous allez détenir en campagne avec beaucoup de place, il faudra choisir une race adaptée. Et le temps que vous aurez à passer avec lui, il faut bien imaginer qu'un chien de travail, un chien de traîneau ou un chien de chasse, il aura besoin de beaucoup se dépenser. Et donc ça demandera pour vous un investissement en temps pour l'emmener promener. Et ensuite, si vous êtes en appartement, ne vous focalisez pas non plus sur la taille du chien. Vous avez aussi le caractère de ces chiens. On a des chiens, des petits chiens qui sont très calmes et des petits chiens qui sont pratiquement exubérants et qui sont très difficiles à détenir en milieu totalement clos comme un appartement. Ensuite, il faudra aussi envisager le fait que vous allez prendre un chiot. C'est tout petit, tout mignon, mais vous engagez dans un bail qui est d'une douzaine d'années avec un animal qui va grossir et ensuite qui va vieillir. Et donc il faut aussi anticiper les dépenses qui seront classiques pour un chien, qui sont son alimentation, avec effectivement une alimentation qui sera plus lourde à faire quand vous prenez un Saint-Bernard qui va faire 70 ou 80 kilos, ou un Yorkshire qui va en faire 5 ou 7. Et ensuite, il faudra aussi envisager toutes les dépenses d'entretien de cet animal, vaccination, médecine préventive, mais aussi quand même peut-être envisager les accidents, maladies lourdes avec hospitalisation ou accidents avec des chirurgies. Et à ce moment-là, prenez contact avec votre vétérinaire d'emblée, avant même de prendre ce chien, pour prendre des conseils en termes de race, mais aussi pour avoir une petite idée de l'engagement financier que vous allez faire avec cet animal.